bien, c'était bien. On est allé du côté de Saucé-les-Pins et on a mangé beaucoup de fruits de mer, hein, je sais pas pour vous. Hein. Moi je me suis gavé d'algues tout l'été, j'ai pris le soleil, c'était fantastique. Des repas à base de jurançon et de chèvres frais. Et voilà, superbe été, rock en scène, cerise sur le gâteau. Ensuite, le travail sur le disque, beaucoup de travail sur le disque. Je ne vais pas te mentir, passer par quatre chemins. C'est d'abord le mix, et ensuite, juste hier, on a fini le mastering. Truc de malade, équilibre, aigu, grave, superbe. Donc le disque, il est en boîte. Le 15 février, tu vas prendre cher. Voilà, je peux te le dire. Voilà. Que tout le monde est Dieu. Et le dieu de tout le monde. Voilà, c'est une sorte de jeu de mots, hein. Fabuleux. Ça parle de soi, quoi. Il n'y a pas vraiment à expliquer plus que ça, quoi. On interprète comme on veut, quoi. Le petit goûter. Une pochette, la pochette est différente et il y a un peu plus de titres. C'est ça, non? Ouais, on a remixé et remasterisé, mais on n'a pas réenregistré par-dessus des congas ou des congos. Ouais, l'EP, c'était une sorte d'extrait de l'album, ouais, un teaser exactement. Et c'était pas un truc qu'on a retravaillé après. Je crois que c'était pour nous faire patienter. L'EP, l'EP, ouais. Très bon, très excellent. L'EP. Comme tu le constates, nous sommes sur les lieux de l'enregistrement de l'album de Gush. Donc nous avons une sono, des amplis, des claviers, un piano, un super piano avec lequel on a fait plein de sons de piano. Et voilà, et donc il y a la cabine à côté. Oui, excuse-moi. Non, très banalement aussi, ce qui est super, c'est que on n'a pas loué de studio là, c'est chez nous, on est en lockout quoi, total. Donc on veut jouer, faire des voix jusqu'à 2h du mat. On avait vachement utilisé la réverb. Enfin, on a ouvert la porte, on a mis un micro dehors. Ah, ce qui fait que on avait la réverb naturelle du couloir avec les voix qui résonnaient. Donc tu entends. 4 mois entre la sortie de l'EP et l'album, même un peu plus, 6 mois presque. Mais ça s'est étalé aussi sur plusieurs sur un an quoi. Mais l'enregistrement il a duré 2 mois. Après on a fait les premiers mix, c'était pas bien, on a remixé, on a fait faire des essais. Enfin ça s'est étalé, et ça a pris vachement de temps quoi. Après on a signé avec la maison de disques, donc ça a impliqué d'autres choses et tout. Donc... Pour finir, vraiment le son est beaucoup plus chaleureux. Bon ça c'est un terme un peu banal, mais effectivement le son est plus chaleureux, ça nous plaît beaucoup plus. Plus rond, ouais. Plus rond. Ce serait de Neil Young, le morceau qui s'appelle s'appelle comment ce morceau? Don't let it bring, non, don't let it bring you down. Moi j'écoute les Beach Boys en ce moment. Moi je suis plus Toumani Diabaté en ce moment, le Kora, le maître de Kora mondial, africain Mali. Woman, James Gang. Ouais. Ah non, on n'a pas menti non. C'est ça que t'as dit? Je sais pas, on a peut-être menti, mais... Tu sauras jamais.